Hello les amis, Mitra Pneuma de Nintendo Alert et on se retrouve aujourd'hui pour un let's play de Xenoblade Chronicles 3. Donc hier on a fait la quête de héros de Taïon et là on enchaîne sur celle de Mio. Sachant qu'hier ça nous a pris, enfin ça a pris pas loin d'une heure et demie. Là, si vous écoutez la vidéo à la fin vous allez m'entendre avec ma voix très très fatiguée, j'ai joué toute la journée. Énormément de révélations, beaucoup de cinématiques très poignantes. Donc là on commence la quête de Mio, l'histoire annexe de Mio. En sachant que hier Taïon en fait ça nous a octroyé comme bonus de passer sa classe, son level maximal était à 10, ça l'a passé à 20. Bref, donc voilà, il faut aller à la colonie Omega et c'est parti. C'est parti pour la quête de Mio. Donc je vous montre un peu où ça se trouve hein. Donc là c'est des nouveaux mobs. Donc moi je vous conseille hein, de. Même si voilà quoi, c'est pas super intéressant et que vous avez envie de progresser, c'est de quand même en faire un ou deux parce que ben pour les gemmes, moi je sais que je regrette par exemple de ne pas avoir tué autant d'oursic, autant d'ardons que j'aurais dû parce que ben ça vous bloque après au niveau des gemmes. Voilà, et en plus, comme vous voyez, ça va assez vite. J'ai noobé, j'ai voulu aggro plusieurs monstres, du coup, j'ai avancé dans la quête principale. Bon. Je crois que je suis pas encore réveillée. Mio qui voit un peu sûrement des restes de la colonie de son ami. Alors c'est Miyabi. Je me rappelle plus exactement. Miyabi je pense. Franchement si vous vous demandez pourquoi je me souviens plus comme ça, allez regarder ma dernière vidéo. À la fin vous allez m'entendre. J'ai une voix. On sent que là j'ai un œil ouvert et l'autre fermé. Hier c'était vraiment très très intense. Long. Agréable mais intense, fatigant. Le jeu, les cinématiques, je veux dire. Hey, Nadia, what's up? Fine tuning? Yeah, got another battle tomorrow. Donc vous vous souvenez que Mio n'était pas très très enthousiaste à l'idée de devenir passeur d'âme. Hein. Ouais, voilà, Miyabi. At least you get to take it easy. Low risk of dying when you're in the rear guard. Je pense qu'elle aurait préféré combattre. We're waiting for you. Mission briefing? Cool, be right there. Later. Donc il est évident que Miyabi va avoir une discussion tôt ou tard avec Mio qui va faire que Mio va réaliser à quel point le fait d'être passeur d'âme est important. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, elle serait pas aussi proche de Miyabi. Hein. Guess we live to fight another day. Come on, let's head back. To be fair, we scored some good points today. Tally's next week, was it? This is all such a waste. What is? Everyone else is out collecting life. And here we are, noodling our tunes. What use are we really?
to the colony and everyone. I think it's obvious. We can only truly contribute after death, is all. After death, though, isn't that just pointless? We could be playing our hearts. Je pense que c'est la fameuse discussion dont je vous parlais. Is that right? Sure it is. Mio, is that why you're here? For recognition? Is that why you're being an officer? For a commendation? No, it's just duty. You know, I'm actually glad I was born a klutz. I bet you're just scared. It is scary. Fighting. I am afraid to steal others' lives with my own hands. Actually, I'm impressed that it comes so easy to everyone else. It's just natural. We all of us live to fight. You're wrong. We just have to... We fight to live, that's all. Mio, have you ever touched a mote of light from a Kavesi? They're the same as ours. On the other side, the people live hoping the same things as us. It's a sad fate. Still, if we're forced to live this way, the least we can do is this. Là, on a vraiment, ils ont ouvert les vannes de des émotions. C'était les trois premiers chapitres, je les trouvais tellement comment dire. Je voudrais employer le bon adjectif qualificatif, parce que faire attention quand on dit quelque chose. Ouais, c'était pas. Moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à m'attacher au perso, et je vous l'ai dit, hein, il se passait très peu de choses, il y avait très peu d'émotions selon moi. J'avais du mal, lorsqu'il jouait de la flûte, à me sentir ému. Et là, vous voyez, c'est. Voilà, des gens qui pleurent, c'est beaucoup plus prenant, beaucoup plus poignant. Ils ont ouvert les vannes. Il était temps. Fly high. Ever higher. Goodbye. And thank you. To send on the voices of the departed is an off-seer's purpose. It's not a waste at all. So long as those voices speak to you. Voices? Mio! Miami! Thanks, guys! Là, elle joue de la flûte à l'unisson. Voilà. C'était un flashback de l'époque où elle était avec son amie. Alors. J'ai essayé de pas trop farmer. Je vois ce qui se passe par là-bas. J'aime bien regarder. Ça me fait penser à Tantal, hein, évidemment. Mais je saurais vraiment pas dire. Plus je vais voir en bas. Franchement, c'est compliqué là. Bon, à part quand ils nous disent, voilà, là, c'est Uraya. Qu'ils nous le disent clairement, sinon, c'est
pas forcément, c'est pas évident, hein. Voilà un unique. Donc forcément, même si on farme pas hein, les uniques, bah c'est unique, donc on les fait. Hein. Alors, Bacro, lance spiralé. Pas de souvenir ce genre de mob, mais énormément, voilà, de... Puis des handicaps. Pensez un peu à... Ardoton l'implacable. J'espère vraiment qu'on va pas aggro tout troupeau là. Je vois des lapix tout près. Ouais, bon. Déjà tapé un lapin là qui vient casser l'ambiance. Un deuxième. Voilà. Ouais. C'est bien ce que je craignais. Ils se pointent tous. Alors, faut bien faire attention de ne pas lancer l'enchaînement sur un lapix qui... sur un lapix qui passait par là. Allez, let's go pour l'enchaînement. Ça va caper en tous les cas 99 hein. Belle réactivation. On peut pas faire mieux hein. Bien dommage hein, qu'elle soit pas montée jusqu'à 200. Et on voit que là, en fait, elle a apporté. Tayon est à 129, hein, elle lui a apporté. C'est un soigneur. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est capé. Dommage.
C'est pas si simple que ça hein, d'atteindre les 200%. Voilà, il passe en mode rage. Donc, ses attaques vont redoubler. Et même si on est niveau 71 et qu'il est que 56, on est déjà quand même à 5 minutes de combat hein, quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Donc imaginez sur des uniques du même niveau que nous. Mais bon, voilà, des doublons, nos ponts or et argent, ça c'est. On a tellement besoin. Ah, ils ont mis là le... Ah, c'est quoi la bataille? C'est qui contre qui? La Pix contre... Moi de toute façon je prends toujours celui qui a les doublons nos ponts. Ah, va converse. La Pix. T'as mêlé de ce qui ne me regarde pas. Évidemment, on profite pour ramasser tout ce que tout ce qu'on voit. C'est quoi qu'il y avait là-bas? Je suis tellement à droite que c'était un coup à me foutre. Ah non, il y a un conteneur. Donc voilà, toujours être hyper attentive et attentif aux environnements. C'est un camp que j'ai vu derrière. It's so cold, I'm like fou. Ouais, c'était sûrement un camp, hein. The cold of the Highlands is no joke. It was. How about that? Yeah, that looks good. J'essaye vraiment, je regarde en me disant est-ce que c'est tantal, ça l'est pas. Il y a beaucoup de nos ponts. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Alors, augmente le pourcentage de coups critiques de 15 points. Je sais pas si on n'avait pas mieux, mais enfin, je vais quand même le prendre. Augmente le pourcentage de défense physique. De, je vais le prendre. Augmente de 20% les dégâts infligés. Pff, bof, ça. Pff,
au début, je faisais hyper attention, mais comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je m'interlis, enfin je fusionne si rapidement que voilà, les attaques de derrière, les attaques de côté, les attaques de devant, ça n'a plus autant d'intérêt pour moi qu'au début. Ça a été figé quand t'as des PV. Ça c'est pas mal. Vous voyez, ça permet d'augmenter rapidement. Ça aussi, l'achat-vente, ça permet d'augmenter rapidement les points dans la colonie, les étoiles. Oh, ah, j'ai encore parlé au même. Voilà, bon. I see. Yeah, you can't always give 100%. Let's catch up on stuff. Ouais, c'est pas fou. Ça, j'ai pas récupéré le deuxième. Celui-là, il faudra vraiment que je m'y penche. Il faut que je vois si on peut stepper de nouveau au camp de la cité. Parce que bah, on était bloqué à ce niveau-là, on pouvait plus stepper. A voir. Alors les gemmes. Et ça par exemple, il me manque quoi? Pourtant j'en ai tué quand même un des reines Arachnis. En fait, il faudrait vraiment que je me note quelque part ce qui me manque pour les gemmes les plus basses. Ça, je suis quand même arrivé à ça. Je suis quand même niveau 70, chapitre 6, et j'ai encore une gemme qui est niveau 2. C'est très très moyen. Après, pièce d'appareil Bernard. Aucune idée de où c'est. Il va vraiment falloir que je me remue pour ça, quoi. Un goutte solaire de Luxia. Bon, oh, puis c'est. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de doublons nos ponts. Or, donc voilà quoi. Hein. Très difficile à obtenir, hein, les doublons nos ponts or. Hein. Alors, ils se dépensent à une vitesse, je vous dis que ça. Je pense que j'aurais dû. Qu'est-ce que c'est qui m'attaque alors que je suis dans un camp? Ah, ok. L'agressivité des monstres dans cet opus reste un mystère. Je comprends pas pourquoi certains sont tout le temps agressifs, d'autres pas. Il n'y a pas trop de logique. Bref, donc, du coup j'ai oublié de me reposer pour progresser dans l'histoire avec tout ça. Si elle est aussi longue que la quête de Tyon hier, eh ben. On va sûrement avoir un flashback. Five years ago, the three of us were foot soldiers in Colony Theta. One day, with no reason given,
We were transferred to Colony Omega. We didn't fight. Rather, we were subject to daily examinations for no clear reason. Then one day, there was an accident. Courageuse, hein, Miyabi. Hein. Ça fait penser un peu à Joran. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... J'espère qu'elle va pas retrouver une Miyabi Mobius. Mia, take this. I'm giving you my whole self. So please, live life in my stead. Miyabi. Thank you. Encore un truc hyper gay. Donc Miyabi a sauvé Mio et Senna. I'll find it for myself. I'll leave my mark on others and the world. This lifetime that Miyabi gave to me, I'll use it well. J'espère qu'avoir retrouvé une Miyabi gentille. Hein. C'est pas gagné, mais. Regret all you want, but the past can never be changed. But you can change who you are in the present. If I was stronger then, like now, I might have been able to save everyone. Is it wrong to think that? Not at all. I feel you. I know I wish I'd been stronger back then. Oui, ouais, ça fait vraiment penser à Joran. So yeah. I want to go back there with that in mind. And now I have the chance. Mio, what kind of colony is this Omega? I never even knew it existed. Yeah. Outside didn't know about it either. We've got, what, 23 Acnean colonies in all? They got up to Psi. Good intel. Hey now! Don't go lumping me in with Lance. I took my education seriously. Ah, shut up. Don't flatter yourself.
Colony Omega was an independent entity. It never engaged. The name it used was Agnian, but even that wasn't the whole truth. Omega's administrator was the Mobius Y. He was performing some kind of experiment there, using us as guinea pigs. I don't know what he was doing. M wasn't briefed on it either. All I can remember is that oddly glowing violet flame clock. Un taré qui faisait des expériences. Never knew that was even a thing. Why is you stored it now? Colony Omega, I mean. C'est comme c'est Amalthus de Xenoblade Chronicles 3, en gros. Senna, anything to add? I don't really know much about it. Ils sont en pleine montagne, il n'y a pas froid. The accident happened pretty soon after we were moved. I see. Omega's existence, the tests, it was all why. That's just the Mobius he is. Ah! Dusha. Mimi, remember? Didn't we see the same color on Ethel and Camaravi's Veronesis? I could be wrong. No, you're spot on. Good call, Senna. I didn't think of that at all. Really? Ethel and Camaravi had their lives taken. And in that accident, so were the whole colonies. Most likely, Y was running experiments that could potentially prove fatal to our soldiers. And now that the colony's back, you're thinking Miyabi's still in there. Yeah. That's why I have to go. To end this. He's toys with our lives as he pleases for long enough. Exactly. I'm with you. Let me go too. We're all going, I thought. Right? Yeah, obviously. Let's go, Mio, to Colony Omega. Everyone, thank you. This time, I'll do the saving. Je crois vraiment que les quêtes annexes de héros, faut y aller à petite dose parce qu'elles sont très très longues. Je vous déconseille de toutes les enchaîner les unes après les autres. De toute façon, on sait déjà que c'est la marionnette du consul, il l'a dit dans les épisodes précédents. C'est un piège, hein, clairement. Ah là là, ça fait mal au cœur quand je vois le titan. Attaquer comme ça. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait avec Miyabi? Est-ce que Miyabi était aussi une traîtresse ou... Non. Quelle expérience il a pu faire sur elle? Est-ce que c'est une Mobius? Bon, on le saura hein, d'ici une bonne heure sûrement. Franchement, je vais essayer d'aller aussi vite que possible. Je ne vais pas trop m'attarder à farmer, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais bon. J'ai vu hier avec la quête de Time à quel point c'est très très long. Je crois qu'il y aura vraiment de quoi faire en New Game Plus. Hein. Bah, nous voilà à la colonie Omega. Avec un accueil des plus chaleureux.
Voilà. Wait a sec. They're a mixed unit. But that's just not possible. Possible or not, it's what we've got to deal with right now. We'll just have to adapt. Unusual. They might be stretched thin. Huh? If it's like Mio said, then they've been running an experiment out of Omega. These soldiers are evidently one of the results. Kevis and Agnes. What kind of experiment could involve both of them? I don't know. But I do know the answer lies ahead. We should be able to rest here. We're sure to learn something there. They don't seem to know who they're dealing with. Évidemment, on va se faire attaquer par tous les soldats. Après, ils sont pas très longs à battre, hein. J'étais en train de me dire que ça faisait un petit moment, enfin un petit moment, que j'avais pas regardé ça. Ouais. Je vous le dis toutes les trois vidéos, je crois. Pensez à aller régulièrement vérifier ça. C'est une plaie si vous restez trop longtemps sans le faire. Je l'ai fait il y a très peu de temps, mais je crois qu'il faut le faire vraiment quasiment à chaque quête, quoi. Enfin, pas à chaque quête, mais à chaque fois que vous ramassez des trucs, hein. C'est pas le plus plaisant à faire, mais c'est important. Voilà, surtout que parfois pour un personnage, j'ai 10 trucs à lui donner. Vous voyez ? Comme ça vous souffre en même temps que moi. En sachant que moi, j'ai l'habitude de régulièrement vérifier. Donc, celui ou celle qui s'amuserait à aller vérifier après 30 heures de jeu, bonne chance, hein. Je le ferai après là parce que je vais en avoir pour plein de temps. Vous voyez, ça fait monter les... c'est important de le faire, ça fait monter les colonies. Bon, ouais. Oh,
What de brasier. On parle des morts. No, if that was the case, wouldn't they be way younger? Mwamba looks like he did this term. C'était donc ça les expériences. You know me. Vous vous souvenez de Mwamba qui était dans notre team dès le début du jeu et qui est mort assez rapidement d'ailleurs. Hein. Bon bah, ah bah tiens, alors voilà. Mais lui c'est sûr qu'on va l'avoir comme héros parce que j'ai regardé, on le reconnaît clairement hein, dans la liste de héros qui reste à découvrir, enfin à avoir dans notre team. C'est sûrement Miyabi là qui joue de la flûte. Ouais. Miyabi, it's Miyabi. Why? Saleté de Mobius Y. Why? Miyabi, it's me, Senna, your friend. Après tout ce qu'ils ont vécu, ils continuent à. Mais c'est moi, je suis ton ami. Ils n'ont pas compris encore, hein. The Revenant neither remember nor feel. Only the instinct. To fight tooth and nail for survival. Comme des zombies. Normally they would undergo basic conditioning in a cradle prior to being awoken. On a déjà vu plus beau, hein. As you all once did. They would fight for 10 years before returning to Her Majesty. What a piece of work. These younglings, they live for the sole purpose of battle. They are just. C'est, je me répète, mais c'est vraiment, vraiment très, très proche du but, enfin, de l'existence des lames dans Xenoblade Chronicles 2, qui était totalement lié à leur pilote. Quand le pilote mourait, les lames mouraient jusqu'à ce qu'elles soient éveillées par un nouveau pilote et elles avaient perdu. La mémoire de tout ce qui s'était passé avant. Oh, they are as sheep. You are simply deceiving yourselves, wishing to divine some meaning from something that is devoid of it. Why are you doing this? What's your goal? Merely the betterment of life for Mobius. What? For such is Zed's humble desire. Zed. It is Zed who wove the fabric of this world. Consequently, we who are his avatars enjoy powers beyond mortal ken. Mobius are Zed's avatars. The gift I was imparted is the creation of flame clocks. Must I say more? I hold the life of every soldier. In the very palm of my hand. Indeed, the flame clocks. They are part of my very being. Ethel and Kamaravi's flame clocks. Those were some of my finest work. Did they not thrill you? The ebb and flow of their lives. Then did it strike me, like unto a flame,
human life also doth glow and glimmer brightest just before it is quenched. And hence, there can be no greater nourishment. Indeed, this flame clock is therefore my proudest creation. The final year, when life is at its most dazzling. A clock that gives rise to a sublime instant. 'Tis a flame clock most radiant. Final year? So that's it. Quand les Mobius parlent, enfin, on dirait moi quand je fais mes courses et que je suis affamé, ils considèrent vraiment les humains comme leur bouffe, quoi. C'est parti. Donc il va falloir se battre contre des amis, hein, au final. Après, ce sont des uniques qui sont pas aussi difficiles à battre que ceux dans la nature, quoi, hein, moins de résistance. Donc, imaginez, t'es passé 5-10 minutes par combattant là. Là qu'on va récupérer Kamurabi comme héros, je sais pas. Driven this time round. Sparks! Is this their fight or flight instinct? Poor Miyabi. They're strong, all right. But that's all they are. Huh? The melody Miyabi used to play? It wasn't like this. There's no way it was ever this sad. So then. Yeah. They're hollow. There's no will behind their actions. It's not our old friends that we're fighting here. It's something else. An astute observation, yes. It is so. Owing to the basic conditioning being lacking, their psyches are rather unstable. The melody you hear serves to prop them up. An off-seer conveys peace to their cohorts. They enable them to realize dreams. That is what I focused my efforts on, and iterated. That's wrong! You can't use the off-seers! Au contraire, au contraire. Behold, au contraire, au contraire, il a dit. Il est français. Certainly,
There is no will behind it, but will is an undesired side effect. Evil! You can't do this! Not to me, Abby! Not to our off-seeing rights! How dare you use them to your own ends! That's a good tune. A Chris original? Yeah, I suppose it is. Maybe I'll pinch it as well. You've got your own tunes, Noah. Those are just as good. Wonderful, I'd say. Really? I only tweaked a few notes in a score from my previous colony. It's not the notes that matter. It's the feelings you imbue them with. Feelings? Raw emotion. It resonates. Mio! It's feelings! Feelings? It's the Offseer melody we've been playing. We just need to play it again now. She's an Offseer too. I know for sure it'll reach her. Of course, yeah. Our melody. Just like always. Yeah. Understood. I'm taking the lead. You follow. Noah, Mio, what are you... Wow. Good thinking, you two. Huh? I'm saying this might actually work. Come on, guys, defend. Lance, Senna. All right. Sure thing. On va se battre en équipe réduite. Ou pas. C'est juste une cinématique. Explained to me the purpose of an Offseer. Softly. That fateful day when the lights of life danced into the sky. So high. Ever since that day, I've done my best to play that melody you trusted me with. Miabi, you gave me newfound life back then. Now, let it be my turn. Mio? Help me. La pauvre. Just wait, Miabi. I'll be with you soon. No! Mio! Ought to have all been scoured clean. Why? An Offseer's melody. It's more than a sequence of notes. It is shaped by feelings. Those of the player and of the ones being played for. All I did was shape the feeling Miabi passed to me and play my heart out. Inconceivable. You were able to override Zed's precepts? No Ouroboros should command that sort of power. End. That's what's behind this reprehensible act. Well then, I shall just have to ascertain the matter. Oh, Spark! He's coming! No.
now he steps in. Oh, il se transforme encore en un horrible Mobius. Oh. Une espèce d'alien. Come on. Yeah. Take him down. Then we can free the colony. Since you fell in the log bound by the Flame Hawks, my Mobius power certainly holds no sway over you. Ergo, at this late hour, I will bring my mind, spirit, and flesh to bear, and batter you all into oblivion. Come. 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 Allez, let's go pour un enchaînement. J'espérais vraiment qu'elle aille à 150. Hein. En plus, elle m'en réactive qu'une. Ah, c'est un manque de chance. Ce sera pas l'enchaînement du siècle, hein, ça c'est sûr. Thank you.
Ouais, bof, hein. Voilà. Ça l'aura quand même bien descendu, hein. On arrive à la fin. Voilà. J'espère qu'il va pas avoir une deuxième phase. Oh, encore un qui s'est barré.
He got away. Comme toujours. Au final, on a tué très très peu hein, des Mobius. Joran s'est enfui. Je crois qu'on a tué qu'un au final de Mobius. C'est pas fou, hein. Miyabi. I've been listening all along. The melody you've been playing every day since then. Yeah. Miyabi, thanks to you, I sent on so many. So many voices to so many others. And I'm not done yet. I'll keep going. It was a gorgeous melody. Yours. And... Noah. Nice to meet you, I guess. Though I already feel like I know you. Noah, huh? Yours was very beautiful. Just like Mio's. I owe it to this. You hold on to that. Oh, I'm sorry. I'll wash it. It'll be as good as new. Dummy, that's not what she was trying to say at all. Wait, why am I... Right? From me to Mio. And from her to you. The feeling is passed on. Puis les microbes aussi, ils sont à se passer leur flûte de l'un à l'autre. I will. If that's how you feel, I'll be more than happy to keep using it. Take care then. Mio. Huh? You've become the greatest officer I've ever seen. Oh, there's still room to grow. But at least I found my stride. Since I'm not alone. Could I, Ah. Come with you. Ah bah du coup, c'est elle qu'on va avoir comme héros. You're back, Miyabi. We really missed you. Thank you, Mio, Senna. Et ben voilà, l'histoire annexe de Mio est terminée. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc ça nous donne un nouveau héros. Bah, forcément, elle va avec Mio. Hein. Voilà, et pareil que pour Tyon. Donc la limite de classe de Mio passe de 10 à 20. Elle a été repoussée. Alors, classe de Miyabi, classe troubadour, rôle soigneuse, exceptionnelle soigneuse qui accélère la recharge des arts de ses alliés. Son art signature recharge tous les arts de tous les alliés. Alors, combo avec explosion. Lorsqu'un ennemi a subi une hébétude, utilisez un art qui inflige une explosion. S'il était enragé, il perdra ce statut, il laissera aussi tomber un plus grand nombre d'objets. On commence
justement je me plaignais un peu du fait que c'était pas aussi important les combos. Ben là j'ai l'impression que ça se précise un peu et que ça revient au combo que j'aime bien. Alors, retirer le statut enragé. Vous savez, c'est quand vous l'avez descendu en dessous de la moitié, la flamme du milieu. Alors, les ennemis enragés ont des attaques plus puissantes avec ZL et la croix à gauche. Ordonnez au groupe de tenter un combo explosion. Une fois ce combo infligé, il fait perdre à l'ennemi ce statut. Donc, il faut faire ZL. Ok, on s'en souvenir. Hein. Donc, voilà. Donc, on a fini ensemble la quête annexe de Mio. Donc je vous dis merci et à très bientôt pour un nouveau Let's Play. Bye bye les amis.